Je teste la combinaison d'un abonné, épisode bonus 15. Donc on va commencer avec la première combinaison proposée par Algerian for Life BZ. Donc merci à toi. Et on va se prendre Pitch It avec la Paracoccinelli, les roues Triforce et la Parapente MKTV. Donc je laisse regarder les stats. En soi, la combinaison a l'air assez bonne. Voilà, la maniabilité, accélération et adhérence, c'est relativement bon. La vitesse, en vrai, ça va aussi. Donc écoutez, voilà, j'ai rien à dire de plus. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc ouais, on va se faire une course et on va tester ça. Let's go. On démarre avec l'Autodrome Royal. Ouais, c'est ça. J'avais oublié le nom l'espace d'un instant, mais c'est bon. Donc écoutez, voilà, avec cette première combinaison, donc Pitchette et Route Reforce et Paracoccinelli, oui, le kart c'est important aussi quand même. Donc voilà, normalement ça devrait aller en vrai. Je dis bien normalement. Hop là. Oh 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 oh. Ok, let's go. Ok. Une carapace rouge en deuxième item, c'est très bien. Pour le moment, je vais la garder comme ça. Tant qu'il n'y en a pas qui arrive derrière. Ok, c'est bon, c'est bon. Let's go. Ok. J'aurais peut-être dû attendre le prochain set d'items. Comme ça, j'aurais eu un double. J'aurais peut-être dû. Bon, c'est pas grave. Et j'ai pas vu si je suis dans une bonne salle ou pas. J'ai pas vu. Mais c'est pas grave. Ok. Franchement, ça va. Les mini turbo, ils se chargent assez bien. Hein, donc, franchement, ouais. Ok. Jack en ligne. Ouais. Je sais plus qui c'est. Je t'avoue, je sais plus qui c'est. Ok, ah oh, la blague. C'est pas grave. Vas-y, double-moi. Y'a pas de soucis. Lui il va récupérer sûrement une pièce. Et moi une rouge. Eh ouais. Ok, là on va attendre le deuxième set d'items. Regardez, regardez. Comme ça je vais avoir des items de... Bon, c'est pas grave. De deuxième place. Voilà, et du coup en l'occurrence de protection. Ah non, il a vu, évidemment. Ok, c'est pas grave. Je préfère sécuriser ma deuxième place plutôt que faire le fou et prendre des risques inutiles. Hein, très honnêtement. Ok. Oh, mais il a fait quoi? Mais il a fait quoi? Mais il a fait quoi? Il est parti dans l'herbe. Je crois qu'il s'est pris le poteau. Oh l'idiot. Et comme un idiot, il a lâché sa banane. Ouais, il a fini troisième du coup. Oh l'idiot. Oh, il est trop stupide. Ah, vraiment, il a fail son dernier move, le pauvre. Oh, je me sens un peu mal pour lui là quand même. Ah mais ok, ça va. Franchement, ouais, la combinaison est vraiment assez bonne. Donc bah écoutez, je valide. Deuxième combinaison proposée par Nelly Lionel. Donc merci à toi. On va se prendre le roi bout avec l'intrépide, les roues en or et l'aile en or. Donc je laisse regarder les stats. Là c'est tout l'inverse de la combinaison d'avant. C'est extrêmement lourd, il y a énormément de vitesse. L'accélération est horrible. L'adhérence pareil. Et la maniabilité c'est vraiment pas ouf non plus. Là ça va être chaud par contre. Je vous le dis tout de suite. Mais écoutez, on va se faire une course et puis on va bien voir. Let's go. On enchaîne du coup avec le Champidrome. Pourquoi pas. Il y avait le Cap Koopa. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Et avec cette combinaison donc Roi Bou, Intrépide Roi en or. L'idiot. J'ai fait exprès de ralentir hein. Évidemment. Let's go. Ok. J'ai voulu tenter un snipe. Mais je me suis dit ça va être trop cruel pour eux. Ok, non. Évidemment que c'est pas passé. Let's go. La blague. Eh, hey, il est pas sérieux lui là, le Mario. Non mais attendez. Eh mais le Waluigi il veut me... Il veut m'achever hein. Heureusement que j'avais... Heureusement que j'avais une autre carapace hein. Sinon sinon j'étais dead. Je m'étais auto-snipe. C'est abusé. Ok. Let's go. On va reprendre ça. Ok, let's go, magnifique.
Franchement, la combinaison est un peu dure, mais je vous dirais que ça passe, honnêtement. Ah, il peut pas déraper par contre, c'est horrible. Ok, bon écoutez, je suis cinquième. Les premiers là, ils sont juste devant. Ok, oh magnifique, je les snipe. Super. Là, les deux champis, je vais les garder, hein, très clairement. Ah, c'est une blague. Eh. Ok, bon, bah, deuxième place. Ok, ça va. Et le Yoshi bleu, là, du coup, il a pris sa revanche. Là, il a fini premier. Mais écoutez, d'accord, ça va. Ouais, la combinaison, franchement, est un peu dure. Mais c'est pas si pire, j'ai envie de vous dire. Vraiment, hein. C'est pas si pire. C'est pas comme si c'était Bowser avec les grosses roues, je sais pas quoi. Vraiment, non, là, ça allait. Troisième combinaison proposée par Iliendo. Donc, merci à toi. Donc, on va se prendre Harmony avec le Magikarp, les roues Cyberlys et le Bowser volant. Donc, au niveau des stats, là, c'est un peu près pareil que celle qu'on vient de faire juste avant. La vitesse et le poids, c'est très élevé. L'accélération est vraiment pas ouf. L'adhérence est encore moins bonne. Et la maniabilité, franchement, c'est quasiment pareil. Voilà, c'est vraiment pas ouf du tout. Donc, ouais, je pense qu'on va douiller, ouais. Mais bref, on va se faire une course et puis on va bien voir. Let's go. On continue avec le Flipper Waluigi. Let's go. Je me dois de faire top 3 là au moins. Et en vrai, la salle a pas un très gros niveau. Donc, je vous dirais même top 1. Hein, très clairement. Bon, sauf s'il y a ça, évidemment. Et voilà. Mais bon, on verra. On va voir. Donc, ouais, là, on est avec cette combinaison Harmony, Magikarp, roue Cyberlys. Ok, let's go. Je récupère les pièces, hein, très clairement. Donc voilà, la combinaison a pas l'air terrible, hein, comme celle qu'on a faite juste avant. Ok, let's go. Non, pas passé, c'est pas grave. Ok, non. Bon. Qui me vole ma banane, le bout, il y a vraiment aucun souci, hein. Ok, vas-y. Franchement, en vrai, ça va. C'est pas si pire. Je m'attendais à pire. Et oui, c'est pas si pire. Par contre, debout en l'espace de 10 secondes, ça va quoi. Faut pas vous gêner. Ok, magnifique. J'aurais tellement pu la déglinguer avec ma rouge. Mais non, après, elle se serait pas pirée le coup de l'éclair. Ok, let's go. C'est vraiment une blague. En plus, là, je la voyais pas arriver. Ok. Non. Attendez, je mets ma carapace derrière parce que j'entends des carapaces vertes qui se baladent un peu partout, là. Donc, ça va pas. Ok, nice. Let's go. Oh oh. Ok. Let's go. Je vais avancer un peu. Mais pas trop parce qu'il y a lui là avec son super klaxon. Et je vous avoue qu'il me fait peur. C'est pas possible. Mais c'est quoi ces objets là? Oh. Non mais sérieux. Ok, bon, elle je l'ai eu, tant mieux. Balance ta rouge. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour balancer sa rouge? Elle est sérieuse là? Ok, let's go, let's go, let's go. On avance, on avance. Ouais, je serai cinquième là. Ah, super. Bon bah le top 3 c'est loupé. Mais je me suis fait avoir par des rouges, par la bleue là en plein chemin machin. Il y a un mec, je pouvais pas le doubler parce qu'il avait un super klaxon. Et à tous les coups en fait il l'utilisait sur moi. Donc non. Donc c'était chaud, franchement c'était un peu chaud. Et la combinaison en vrai c'est moyen mais ça passe. Je m'attendais à pire pareil. Donc ouais, ça passe. Quatrième combinaison proposée par Ludivine d'Orange. Donc merci à toi. Donc on va se prendre Diddy Kong avec la mecha bécane, les rollers azur et l'aile nuage.
nuage. Donc je vous laisse regarder les stats. Là, l'accélération est énormément élevée. C'est abusé. La maniabilité, pareil. Et il y a une très très bonne adhérence aussi. Voilà, la vitesse, il manque peut-être un peu. Mais voilà, comme je fais que de vous le répéter, c'est vraiment pas la stat la plus importante. Donc écoutez, voilà, normalement, ça devrait vraiment très bien se passer. Donc ouais, on va se faire une course et on va tester ça. Let's go. On enchaîne avec le monde glacé d'harmonie. Voilà. Donc cette quatrième combinaison, Diddy Kong, Mecha Bacon, Roller Azur. Où l'accélération est juste énorme. Donc c'est abusé. Et là, voilà. Début de la course, moi je fais un snipe, m'en fous. J'en ai rien à faire. Non voilà, et là l'accélération est énorme. Donc les mini turbos pareil. Je vous avoue, je savais pas comment l'éviter lui. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ok, nice. Pour le moment, ça se passe bien. Mais c'est que le premier tour, donc on se détend. Hein. Ok. Non, franchement, pour le moment, ouais, ça va. Let's go. Hop là. C'est toujours plus rapide de passer au-dessus. Et ça, c'est le moyen de le faire sans champi. Oh là là, l'avance que je suis en train de prendre. Vraiment, je suis en train de prendre pas mal d'avance. Ça fait plaisir. Puis les trois derniers sont tellement loin du reste. Oh, c'est abusé. Ok, carapace bleue. Ok. Ah bah c'est bon. Ok. Je comptais aller me prendre ma banane. Histoire que ça me ralentisse moins que de me prendre la bleue directement. En fait, il y a eu un éclair, donc c'est bon. La bleue, je me la suis pas prise. Ah. Ok. C'est mieux que rien, mais faut que je fasse gaffe. Parce qu'une bombe, ça peut, peut m'exploser dans la face. Donc ouais. Je vais la déposer là. Ça va avoir personne hein, parce que je suis super loin devant. Je suis vraiment super loin, c'est abusé. Encore ? C'est pas possible. Je voulais me jeter dans le vide. C'est abusé. Heureusement que j'avais de l'avance hein. Je voulais me jeter dans le vide justement pour que ça me ralentisse moins que la carapace bleue. Mais si j'avais pas autant d'avance, j'aurais pas pris le risque, hein, honnêtement. Là, je me suis permis justement parce que j'avais de l'avance. Mais ouais, sinon, non, j'aurais pas pris le risque du tout. Et écoutez, ça va, honnêtement, ça s'est très bien passé. La combinaison est vraiment très bonne, très maniable. Les mini turbos, c'est nickel. Donc écoutez, ouais, je valide. Cinquième et dernière combinaison proposée par Samuel Cossette. Donc merci à toi. Donc on va se prendre le Mi avec le Sneaker, les Roller Azur et le Nuage. Donc je laisse regarder les stats. Voilà la combinaison. Est un petit peu lourde, mais ça c'est parce que j'ai un Mi de poids lourd. L'accélération c'est moyen, la maniabilité pareil, l'adhérence c'est pas très bonne, mais bon, écoutez, je pense que ça va être moyen, mais ça devrait aller en vrai, je pense. Donc écoutez, on va se faire une course et on va bien voir. Let's go! Et on va terminer du coup avec Riverside Park. Voilà, donc avec cette combinaison, bah du coup, le Mi avec la tenue crème glacée, on m'a demandé à ce que je prenne celle-là. Voilà. Donc ça, le sneak art et puis les rollers azur, voilà. Donc écoutez, les stats c'est un peu mitigé, mais la blague. Ok, ça va, j'ai quand même eu mon item. Donc c'est bon. Ok, ça va. Snipe? Non, ok, tant pis. Donc ouais, les stats c'est un peu mitigé, mais le pauvre. Je l'ai. Vraiment, j'ai attendu qu'il me dépasse pour le déglinguer, le pauvre. Donc, ouais. Je vais finir ma phrase un jour, peut-être. Les stats sont un peu mitigées. Mais. Je pense que ça devrait quand même aller. Normalement. Je pense. Ok. Deux vertes. Bon. Snipe. Let's go. Ce snipe, il était beau par contre, hein. Franchement, voilà, en plein drift,
Ça a fait plaisir. Ok, écoutez, je suis deuxième. Là, je vais l'envoyer là-bas. J'avais oublié qu'il y avait une barrière. Ok, nice. C'est une blague. C'était la mienne, hein. C'était ma boule de feu en plus, hein. Oh, c'est vraiment une blague. Ok. En vrai, ça suffira pas alors. Hein. Ok, mais bon, écoutez, c'est pas grave. On va jeter dans le lac ou pas? Ouais, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Voilà, je pouvais rien faire pour être premier. Hein. Là, deux champis, c'est pas ça qui allait me faire attraper le premier. Donc voilà. Et puis ouais, écoutez, ça en vrai ça va. La combinaison est bonne, mais sans plus, vraiment sans plus, parce que en fait ça se ressent. Elle est peut-être un peu dure à manier quand même. Les mini turbos, ça passe aussi, mais voilà, c'est vraiment sans plus. Mais écoutez, je valide quand même. Mais du coup voilà, c'est ce qui va conclure cet épisode. Donc comme d'hab, dites-moi ce que vous avez pensé de ma prestation et puis des combinaisons qu'on vient de faire. On continuera vos combinaisons la prochaine fois. Et puis voilà, c'est ça qui est ça. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos, c'est très important. Et du coup voilà, donc ça c'est pour tout le monde et je vous dis à bientôt. Ciao.